un enfant est accompagné par ses parents qui sont angoissés, peut-être même paniqués. L'enfant a 5 ans, il est en grande section de maternelle. L'enseignant vient de lui dire, votre enfant pose un problème, il est agité, il est anormal, parce que le mot est prononcé, et il faut envisager pour lui un bilan. On suspecte un trouble déficit de l'attention, c'est-à-dire que l'enseignant se permet déjà de donner un prédiagnostic. On amène cet enfant vers le handicap et on l'amène dans ce processus qui est la maison départementale, la MDPH. L'enfant est diagnostiqué et repéré, plutôt, il n'est pas diagnostiqué, il est repéré comme anormal. Donc il va être vu en bilan par un neuropédiatre et par un neuropsychologue. À aucun moment, on s'interroge sur qu'est-ce qui arrive à cet enfant. Est-ce qu'il est préoccupé? Est-ce qu'il a une souffrance? Est-ce qu'il a un problème familial? Est-ce qu'il est dans son milieu social en difficulté? Et cet MDPH va, à un moment donné, donner un plan personnalisé de scolarisation et un plan aussi de soutien et d'aide, en théorie. On pourrait dire, c'est bien, hein, on s'occupe de cet enfant. Sauf que le soutien, ça va être quoi? C'est-à-dire, on va rééduquer cet enfant alors qu'il est en voie d'éducation, donc on n'a pas à le rééduquer, hein, ça sonne bizarrement, la rééducation. On va envisager un traitement, et ce traitement va être prescrit directement par celui qui a fait le diagnostic, le neuropédiatre, et cet enfant-là ne passe plus par le circuit ni du médecin traitant, ni du psychiatre ou du pédopsychiatre. Et je pense à l'exemple de Paul, qui est un enfant qui était en CE1, et les parents sont en désarroi parce que effectivement leur enfant a subi tout ce bilan et a été mis sous Ritaline, sous méthylphénidate, ce produit dérivé d'amphétamine dont je parlais tout à l'heure. Et malgré ce produit-là, et d'ailleurs c'est pas étonnant parce que l'enfant on l'entend pas, donc il va continuer à manifester, malgré cela, il va être considéré comme dérangeant l'école, dérangeant la classe, dérangeant l'enseignant. Et donc, on revient vers le neuropédiatre et le neuropédiatre veut prescrire ce qu'on appelle un antipsychotique, c'est-à-dire un médicament qui agit sur le comportement, en l'occurrence qui s'appelle le risperdal, qui est un produit quand même qui n'est pas anodin, qui génère des prises de poids très importantes, qui transforme aussi la personnalité. Et cet enfant, on est en train de vouloir lui prescrire du risperdal. Les parents, quand ils sont confrontés à cette situation de stigmatisation du handicap de leur enfant, alors qu'ils le connaissent, alors qu'ils savent que leur enfant est peut-être un peu immature, un peu agité, effectivement, mais n'ont jamais eu l'idée que leur enfant était anormal. Et d'un seul coup, on vient de leur dire quelque chose qu'ils ont toujours redouté. C'est-à-dire, quand on a des enfants, depuis la naissance, on a une crainte qu'ils soient anormaux. Donc, ils sont prêts, et ils sont dans ce désarroi, prêts à entendre et prêts à faire tout ce qu'on leur demande. Heureusement, il y a ce processus qui les amène à un moment donné à dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va consulter son médecin généraliste, on va consulter directement le pédopsychiatre, mais souvent c'est le médecin généraliste qui me renvoie à l'enfant en disant on est en train de dire ça sur lui, est-ce que vous pensez que c'est réellement ça? Et donc le processus dans lequel je suis en tant que pédopsychiatre, c'est que je vais écouter ses parents et prendre le temps de les écouter, parce que ça n'a pas été fait depuis le début, et je vais écouter l'enfant et prendre le temps de l'écouter, et qu'il puisse me dire, voilà, à quoi il est confronté. À quoi il est confronté en ce moment, c'est-à-dire se sentant stigmatisé dans sa position d'agité. Et à ce moment-là, on entame ce qu'on appelle une psychothérapie, c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on va reprendre tous les éléments qui peuvent être générateurs de souffrance chez cet enfant. On va aussi travailler avec les parents, et ce travail permet à l'enfant de trouver un apaisement. Alors, c'est dit simplement, c'est parfois, ça prend un peu de temps, mais dès l'instant où on a commencé à engager ce processus avec l'enfant, il y a déjà un apaisement qui se manifeste. Et le but, et ce qui est arrivé avec Paul, le but, c'est de se dégager complètement des médicaments. Sauf qu'en face de nous, il y a l'école qui dit, mais il ne faut pas aller voir ce pédopsychiatre, il ne faut pas arrêter le traitement, etc. C'est-à-dire une espèce de diabolisation de quelque chose qui viendrait à l'encontre du système qui a été conçu entre l'école, le neuropédiatre et la MDPH. Si j'écris ce livre, c'est aussi en pensant à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec quelque chose d'extrêmement inquiétant, et on sait bien que ce qui s'est passé aux États-Unis nous vient assez rapidement en France, ou en Europe d'une façon générale, et on arrive
à des taux d'enfants considérés comme handicapés et traités entre 15 et 25%, ne serait-ce que pour le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on est déjà dans certains états à 20% d'enfants traités par un médicament qui s'appelle le méthylphénidate ou la ritaline et qui est en fait un équivalent d'amphétamine avec des inconvénients majeurs. Ce qui nous vient d'outre-Atlantique, c'est déjà ce qu'on appelle le DSM. Le DSM, c'est un manuel diagnostique statistique qui maintenant devient la Bible pour l'ensemble des systèmes, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, la haute autorité de santé. Et en France, a été adopté ce DSM, ce qui veut dire qu'on adopte en même temps toute la politique américaine par rapport aux troubles. C'est-à-dire, dès qu'il y a un trouble, et je prends notamment l'exemple du trouble oppositionnel avec provocation, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, parce qu'un enfant, en général, est dans l'opposition et en général peut provoquer, mais ce trouble oppositionnel avec provocation induit automatiquement aux États-Unis un traitement par des médicaments qui sont des médicaments puissants et qui modifient la personnalité de l'enfant. Et actuellement, selon tous les chiffrages statistiques, notamment de ce qu'on appelle la MDPH, c'est-à-dire la Maison départementale du handicap, et actuellement, c'est considéré à peu près autour de 3%. Mais cette évaluation est nettement sous la réalité du processus dans lequel les enfants sont engagés maintenant. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a mis en place ce qu'on appelle des plateformes d'orientation et de coordination qui dirigent tout enfant en difficulté anormale, qui le dirige vers le processus du handicap. Et donc, ces 3% rapidement vont devenir 5% et peut-être même 10% à terme si effectivement on a une pensée monolithique du handicap et de la normalité. Et donc, effectivement, les enseignants sont en souffrance. La question, c'est est-ce qu'ils sont en souffrance à cause des élèves ou est-ce qu'ils sont en souffrance parce qu'ils sont pris en étau entre une éducation nationale qui, d'une part, leur impose un programme extrêmement rigide et un programme élitiste, c'est-à-dire qui ne correspond pas forcément à certains enfants dans certains milieux, qui leur impose des contrôles permanents, c'est-à-dire que l'administration va amener les enseignants à cocher des cases en permanence sur les enfants, ou à faire des évaluations, comme j'en parle dans mon livre, ce qui est actuel, qui vient de sortir, le panel 21. Ce panel 21 qui va, à un moment donné, imposer aux enseignants de cocher les cases pour repérer les enfants de milieux défavorisés, de voir si les parents s'impliquent, de voir si l'enfant est agité. En gros, un espèce de dossier scolaire qui va poursuivre l'enfant et qui va aussi le stigmatiser. Et cette souffrance, ce qui est vraiment un fait nouveau, les amène maintenant à démissionner. Elle les amène bien sûr à souffrir, à faire ce qu'on appelle des burn-out, à faire des dépressions d'épuisement, mais les amène aussi à un moment donné à démissionner en disant « on ne veut plus de ça ». Et heureusement, il y a toute une fraction importante d'enseignants qui se mobilisent dans ce qu'on pourrait appeler une pédagogie différenciée, c'est-à-dire qui essayent, malgré la contrainte de l'éducation nationale, de jouer un peu des coudes pour rendre leur classe plus créative, plus interactive, et peut-être se dégager un peu de certains programmes pour les récupérer autrement, mais sur un mode différent. Et ce qu'on constate, et le témoignage de ces enseignants, c'est que vraiment, quand ils agissent comme ça, leur classe représente une certaine unité et se mobilise autour d'un projet. Bien sûr, ce livre, il dénonce une situation qui est odieuse. En ce sens-là, il s'adresse aux enseignants, il s'adresse à tout le monde, à nous tous. Mais j'ai voulu aussi en faire un outil pour les parents, de façon à ce que, et notamment avec un certain nombre de conseils que je leur donne dans le livre, j'ai voulu qu'à un moment donné, ils se sentent, on pourrait dire, des parents experts, hein, au sens non pas où ils savent tout, mais au sens où ils ne veulent pas s'en laisser compter. Ils ne vont pas s'en laisser compter par l'école, ils ne vont pas s'en laisser compter par le neuropsychologue, mais aussi par nous. Le premier conseil aux parents, c'est toujours d'avoir un esprit critique, non pas de rentrer en conflit avec l'enseignant, mais d'avoir toujours un esprit critique par rapport à ce qui est dit. Ils connaissent a priori mieux leur enfant que l'enseignant, ils ont des éléments et ils peuvent se dire effectivement si mon enfant a un problème de comportement, ça mérite de s'interroger, mais pas de le faire rentrer dans un système déjà de handicap, d'anormalité, d'inadaptation.